Il est le fruit de cette plante rampante, le cornichon, dont les Français raffolent. Dans ce champ de 11 hectares, la récolte a démarré début juillet. 45 ramasseurs polonais sont à l'œuvre pour cueillir ce condiment. C'est un produit frais, sans herbicides, sans insecticides. Quand on le casse en deux, on entend du bruit. Et quand on croque, ça grossit bien. Ici, la récolte se fait exclusivement à la main. Les plants sont fragiles et doivent être manipulés avec délicatesse. Tous les cornichons ne sont pas à ramasser. Les plus gros sont cueillis pour soulager la plante, mais pas conservés. Ça a toujours mal au kiff, on y est moi. La première consigne qu'on a à notre cœur, c'est la taille de cornichons. Pas du mini-mini extra fin, pas des très gros, mais des cornichons qui soient corrects à mettre dans le bocal, que ce ne soit pas des jumeaux ou que ce ne soit pas des tordus. Mais c'est avant tout l'esthétique. C'est important d'avoir des beaux cornichons. Plusieurs dizaines de petites mains dans les champs et le même nombre à la ferme pour mener à bien le conditionnement. Les cornichons sont triés par taille, puis ils sont bichonnés, sélectionnés sur ce tapis roulant. On regarde par rapport à la taille, si c'est trop gros, si c'est pas coupé. Coupé, il faut jeter, bien sûr. Maintenant, on surveille la qualité des cornichons, c'est ça, en gros. Depuis 10 jours, les cornichons sont ensuite mis en bocaux dans ce laboratoire flambant neuf. Toute la ligne est automatisée. Un investissement indispensable pour le développement de l'entreprise. Le marché au niveau national et international, il est de plus en plus grand et on a dû s'adapter à la demande, mais tout en gardant la qualité du cornichon, et on a adapté la machine à notre recette. Avant, sur le conditionnement, on était un tapis où il y avait deux lignes, on était 19 personnes, et au jour d'aujourd'hui, on est 8 personnes pour faire tourner la ligne. En bout de ligne, 350 000 pots sortent chaque année, ils sont vendus dans le monde entier, certains se retrouvent même sur les tables de l'Élysée.